Une ville a besoin de se reconnaître dans une institution. Et le Stade Rennais, c'est une institution. Le Stade de France en rouge et noir, ça a de la gueule. Ça, il faut le refaire. À l'époque, c'était traditionnel. Toutes les équipes adultes du stade, on prenait la collation au football bar. Moi, ce qui m'intéressait, c'est à travers ces titres, combien de jeunes pouvaient jouer en équipe première. Pour moi, le spectacle, c'était pas ce qui se passait sur le terrain. Je vois vaguement que les joueurs arrivent, mais c'est ce qui se passe dans les tribunes. Les camés, c'est pas ça qui manque. Hein. Donc, quand deux camés du Stade Rennais se rencontrent, ben, ils parlent de cam. Hein. Il y a des gens qui sont passés avant nous, des gens qui ont fait le club, qui se sont battus pour qu'on ait la chance aujourd'hui d'être là. Ça fait 77 ans que je suis venu la première fois au stade. Pendant la guerre, en 43, contre Lens, et on a gagné 2-1. Ça, je m'en souviens de toute ma vie. Le Stade Rennais, il naît de... Effectivement, ce sont des étudiants qui fondent le Stade Rennais. Et c'est pas quand on a l'inauguration du stade de la Route de l'Orient, qui a bien changé depuis, mais initialement, c'est un match de rugby. Et c'est d'abord un match de foot, puis un match de rugby. Et quand on lit la presse de l'époque, on a l'impression que le match de rugby est quasiment plus important que le match de foot. Donc ça reste relativement marginal. Et puis très rapidement, il y a une affection pour ce sport-là. Et puis il grandit. Ça commence à devenir un spectacle. Il y a quelques Coupes de France... qu'on n'appelle pas forcément comme ça à l'époque aussi, qui crée une émulation dans la ville. On n'a pas gagné 3, mais 4 Coupes de France. Je suis sûr que vous ne le saviez pas. Donc l'ancêtre de la Coupe de France de 1916, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, que Jacques Delanoë m'a appris. Il y a quelque chose qui se passe dès la naissance du club, quasiment, enfin à partir des années 20. Il y a un lien étroit qui se crée avec les supporters. C'est le spectacle à l'époque. Il n'y a pas beaucoup de spectacles hein, dans ces années de création du Stade Rennais. Le spectacle du dimanche après-midi au Stade Rennais devient très rapidement un moment important dans la vie de la cité. Puis effectivement, il y a des personnages forts dans l'histoire du Stade Rennais. Odorico en fait partie parce qu'en plus, lui, il arrive au moment des années 30 où il y a la professionnalisation du club. En 1931-32, Isidore Odorico, et là encore, je parle des filiations qui avaient été joueur, dirigeant et président du Stade Rennais, fait partie de la poignée de dirigeants français qui ont créé le championnat professionnel. Donc, le Stade Rennais est un club qui compte vraiment, vraiment dans le football français. Je pense que ça explose vraiment. Alors, il y a la période Odorico, après il y a la guerre, mais ça explose vraiment dans les années 60-70. À mon sens, moi, ça explose parce que le Stade, effectivement, le Stade Rennais est le club de la capitale. Mais qu'on a aussi un spectacle très populaire. C'est la période où PSA ouvre, Citroën ouvre. Donc on a tous ce qu'on appelait les paysans d'hier qui deviennent des ouvriers dans les années 60-70. Ils s'installent à la capitale. Et ce moment-là, c'est le seul moment de convivialité, de fête, de loisir qu'ils ont, c'est le dimanche. Et cette population-là, ensuite, elle va repartir dans les campagnes où elle va rester, elle va devenir rennaise. Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on a une telle affection régional sur ce public des années 60-70 là. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis de Télé Dimanche, bonjour, ici Michel Drucker qui vous parle en direct depuis le stade Yves du Manoir à Colombes. Vous le voyez, la 54e Coupe de France attend d'être décernée, attend d'être cueillie par l'une ou l'autre des deux équipes qui vont s'affronter cet après-midi sur la pelouse de Colombes. Ils sont entrés sur le terrain avec un petit peu d'avance, les Lyonnais et les Rennais qui s'échauffent actuellement et pour l'instant, nous attendons le ballon du match. C'est la première fois que je vivais une finale de Coupe de France, évidemment. À l'époque, c'était qu'il fallait aller à Paris. Enfin, en 71, aller de Rennes à Paris. En tout cas, pour moi, c'était la première fois que j'allais à Paris. C'était Colombes, hein, donc à côté. Et puis,
Pour un gamin de mon âge, voir son équipe gagner la Coupe de France comme ça, c'était absolument incroyable. Mais j'ai un souvenir aussi de ça, c'était la demi-finale contre Marseille. On n'avait jamais vu cela. Hier soir, à Rennes, le Stade Rennais recevait l'Olympique de Marseille en match retour de demi-finale de Coupe de France de football. On avait perdu 1-0 à l'aller à Marseille. C'était le match retour. Le grand Marseille qui allait être champion. Skoblar-Magnusson, qui étaient les deux monstres de l'époque. C'est Mbappé-Neymar aujourd'hui, quoi. Hein. Toute proportion gardée, je pense pas me tromper beaucoup. Et je vais vous dire un truc qui est extraordinaire, et je l'ai vérifié, parce que quand je l'ai lu, j'en ai douté. C'était l'ancien stade, hein, en 71. Vous saviez combien il y avait de spectateurs ce jour-là? 27 000. Il y avait 27 000 spectateurs. Aujourd'hui, le stade, c'est 29 700. Plus de 27 000 spectateurs, une ambiance indescriptible, véritablement, c'était un grand jour, le grand jour du football à Rennes hier soir. Et je me rappelle, il y en avait sur le toit des tribunes, il y en avait perché dans les pylônes de... C'était extraordinaire. Jean Prouf aimait bien nous mener au vert à Saint-Malo avant les matchs importants de coupe notamment. Et Jean Prouf avait déclaré à Saint-Malo, on va gagner 2-1, Marseille va marquer le premier but, mais on va égaliser et marquer 2-1 et on va se qualifier au pénalty. Et c'est ce qui est advenu. Et ce jour-là, on tape Marseille, quoi. On tape Marseille, ça se finit au pénalty. Il y a une séance de tir au but, je suis allongé derrière le but, je me vois encore. J'étais ramasseur de balles, comme j'ai dit, mais... Le truc qui va marquer, c'était exceptionnel aussi. 2-1, comme les Rennais ont été battus à Marseille 1-0, on a donc recours au pénalty pour départager les deux équipes. Et là, je me rappelle surtout de Marcel Aubourg, qui avait fait un carnaval au pénalty. Il en avait stoppé 3 de Skoblar, qui n'était pas habitué du ratage au pénalty. Guy, 2-0. Magnusson. 2-1. Shosta, imparable. 3-1. Et c'est là le tournant du match. Kula arrête. Premier très très bel arrêt de Marcel Aubourg. 3-1. Beta manque ce pénalty. Mais regardez bien. Kula tire. Et le tir est repoussé, plus exactement. Le tir de Doul est repoussé par Marcel Aubourg qui, fou de joie, court à travers le terrain. Le dernier qui nous qualifiait, il est parti en courant au milieu du terrain, il était comme un fou. Il a fallu l'arrêter. Bon, mais c'était un personnage exceptionnel. Eh bien, Rennes ira en finale de la Coupe de France de football et jouera contre l'Olympique Lyonnais le 20 juin prochain. Et à l'époque, les supporters pouvaient aller sur le terrain, enfin, s'il n'y avait pas de barrière ni quoi que ce soit. Alors, le stade a été envahi derrière. Mais quel souvenir, même. Quel souvenir. Et Rennes se qualifie pour la finale 6 ans après la précédente de 65. C'était un match extraordinaire, mais au-delà de ça, ça a été une épopée extraordinaire puisque en quart de finale où j'y étais aussi, hein, j'avais 12 ans, c'était en 71, il fallait pas arriver en retard puisqu'on avait battu Monaco 4-0. Et moi, je me rappelle que j'ai le vague souvenir de mon père ayant du mal à se garer, etc. Le temps qu'on gare la bagnole, qu'on aille, on arrive 5 minutes en retard à nos places. Et je crois que le stade gagnait déjà 2 ou 3-0. Ça avait été une histoire de fou. Donc entre Monaco en quart, Marseille en demi, un truc de dingue, le stade en folie, ça a été des moments extraordinaires. Ouais. Les trains, ça avait battu tous les records. La finale, c'était le dimanche après-midi. On est arrivé de Rennes, donc le samedi après-midi. La gare, les quais étaient déjà envahis. Il y avait les bignoux, il y avait tout ça. C'était la finale de la Bretagne. Ce qu'il se passe
en 71, en 65 aussi, mais on est sur le club de la Bretagne. Donc tout le monde a les yeux rivés sur ce qu'il se passe à Rennes avec le Stade Rennais. À ce moment-là, ce qui fait que l'enthousiasme autour de la victoire est aussi forte, c'est quelque part, c'est la revanche des Ploucs. Il faut se rappeler que dans ces années-là, les Rennais n'ont pas forcément du travail en Bretagne. On vit une période d'exode. On a le complexe de Bécassine, c'est qu'on perçoit les Bretons comme des Ploucs, vu de l'extérieur. Donc c'est la revanche, en fait, d'une population. Et j'ai nombre d'historiens qui me disent « J'ai cherché quand est-ce que l'on a ressorti les Gwenadus en Bretagne. » Il y a une période après la période d'occupation où les Gwenadus n'étaient pas forcément quelque chose que l'on brandissait énormément. Et ce revival breton qui arrive aussi dans une vague très généralisée de la culture bretonne qui revient sur le devant de la scène, la victoire du Stade Rennais en 71 y contribue énormément et c'est là où on revoit les Gwenadus sortis parce qu'il y a une fierté d'être breton, il y a une revanche sociale autour de cette victoire. Il y avait 55 000 au total à Colombe et ils auraient dénombré, maintenant je ne sais pas comment ils ont fait le calcul, 40 000 Bretons parmi les 55 000. Le président qui était Jean Roux, encore un homme du Finistère, parcourait le stade, il y avait le droit à l'époque, tout le monde pouvait à la limite pénétrer sur la pelouse, mais il faisait le tour et il faisait chanter les gens à les Rennes sur l'air de l'Ave Maria. Ah, il y avait beaucoup moins de médias, ouais, mais bon, il y avait beaucoup moins de pression à mon avis. Puis on était un groupe avec des leaders comme Marcel Aubourg, André Bêta, Louis Cardier, Zygmunt Chaussat. Ils étaient tous internationaux. On avait 7 internationaux. Moi, j'étais le petit jeune là-dedans. Donc, ils savaient amortir et absorber la pression, quoi. Dégagement de Domenech. Linalo replié. Sert Domenech Perrin. Kérouzoré. Domovic pour Guy. Oh, c'est pas possible. Guy récupère. Bousculé. Penalty. Cette fois, c'est le penalty. Penalty pour une faute sur André Guy. Et je pense que c'est André Guy qui va se faire justice lui-même. André Guy, un ancien Lyonnais qui connaît très bien Chauveau. C'est un moment important, je pense que le silence va se faire maintenant dans le stade. André Guy se concentre, c'est important de tirer un pénalty. Et but ! Rien à dire. André Guy l'a tiré en force. Le fameux pénalty d'André Guy qui bute un peu en tirant son pénalty et il y a ce nuage de chaud incroyable. Du match en lui-même, j'ai pas un souvenir immense parce que ça, on s'est pas fait trop plaisir sur le terrain. Par contre, après, ça a été la fête. Pas à Colombe, on était resté le regarder ici à la télé, etc. Et comme on était déçus de ne pas y aller, ma mère nous avait promis qu'elle nous emmènerait avec sa 2 chevaux à la gare pour voir le retour des joueurs. Donc on avait été à la gare. Donc cette photo-là, elle me parle énormément parce que bah, un des petits mômes dans la foule, là, je ne sais plus trop où, mais j'y suis. Donc, et ça, c'était magique. L'accueil en arrivant à Rennes, on n'a pas pu sortir du train. Les gens étaient là, à ce moment-là, tout le monde avait accès au quai. Et les supporters étaient là. Moi, je me suis fait happer, j'ai laissé mes sacs dans le train, tout ça.
et conduit jusqu'au camion sur une place de la gare bondée de monde. Et là, on a défilé, si je puis dire, dans ce camion jusqu'à la mairie. On a mis 1h30, 2h. Il faisait beau, c'était en juin, les gens étaient tous dehors et c'était une ambiance exceptionnelle. Extrêmement incroyable, c'est que moi, toutes ces images de 71 étaient restées gravées dans ma tête, avec une en particulier qui était les joueurs au balcon et la place de la mairie, boire de monde, en train de fêter les joueurs. Et jamais j'aurais imaginé pouvoir vivre ça, mais j'ai eu la chance d'être au balcon en 2019 quand on a ramené la coupe. Donc je voyais toute cette foule, toute la place de la mairie noire de monde. Et là, j'avais la couleur et les photos 71, c'était du noir et blanc, mais c'était exactement pareil. Je retrouvais exactement les photos qui m'avaient fait rêver. Là, j'y étais. Donc ça, c'est des souvenirs magiques. C'est bien, Yvon, là-bas. Oui, ça va, ça. Les gardiens de but, ils sont moins adroits. Hein. La balle est souvent au sol, là. C'est pas mal. Jean Prouf, pour prendre l'entraînement du Stade Rennais, vous avez dû faire un choix. Oui, j'ai fait un choix, d'ailleurs, assez bizarre, entre partir à Pékin, entraîner l'équipe de Chine, et venir ici au Stade Rennais, retrouver le club de mes premières amours, si on peut dire. Oui, de vos premières amours, car en effet, vous étiez au Stade Rennais à quelle époque ? Oh, je suis au Stade Rennais depuis 1935 d'abord, date à laquelle j'étais minime, puis junior. Et enfin, après la guerre, je suis revenu en 40 jusqu'en 1949. Les deux coupes, 65-71, c'est signé Jean Prouf. Hein. C'était un adepte du football offensif et qui faisait prendre beaucoup de risques à l'équipe. Mais quand ça payait, ça payait. Et il faisait beaucoup appel à l'esprit d'équipe, l'esprit de groupe, la dynamique d'équipe, et il savait s'appuyer sur ses leaders. C'était un homme qui avait un grand charisme, qui avait été un très très bon joueur, et qui a marqué le Stade Rennais, puisque c'est lui qui a donné ses premiers succès au Stade Rennais. Et puis il a marqué, je ne vais pas dire au fer rouge, mais il a marqué de son empreinte le Stade Rennais, parce qu'il y a eu une lignée, Jean Prouf. C'est certainement le plus grand entraîneur de l'histoire du Stade Rennais, en tout cas celui qui a le plus marqué l'histoire du Stade Rennais, par ses titres, mais pas uniquement grâce à ses titres, par le jeu qu'il faisait aussi développer à ses équipes, par un comportement, par une personnalité. Voilà, c'est ça qui marque aussi un entraîneur, c'est un comportement, c'est une personnalité, c'est une façon d'être, c'est une façon de vivre, c'est une façon de communiquer. Hein, c'est tout ça qui marque les gens. Je pense qu'aujourd'hui, Jean Prouf, ouais, c'est le number one. On a eu beaucoup de grands entraîneurs à Rennes. Ouais. Et oui, alors Jean Prouf, évidemment, ça a été la légende de nos entraîneurs. Mais c'est un club qui a un centre de formation exceptionnel pour les jeunes et qui a aussi, je crois, pour les entraîneurs, quelque chose de spécial. Quand j'arrive en 79 au club, en sortant de Saint-Étienne, il y a déjà un centre de formation qui est agréé à la Fédération française de football, c'est l'aire de Monsieur Houger. Le centre de formation, c'est une baraque, entre guillemets, où il y a 4 chambres. C'est une cuisine, un séjour, c'est vraiment une baraque sur plots. Il était à côté de l'ancien siège, qui était donc route de Lorient, côté Rocade, où il y a le parking officiel aujourd'hui. Et c'est là où on a commencé avec la ville de Rennes, Monsieur Hervé, une idée de centre de formation. Donc là, ça a été la construction d'un bâtiment où on pouvait déjà loger 20 jeunes. On crée donc ce centre
on le subventionne. Je crois que la première subvention devait être à l'époque de 200 000 francs. Et puis, on bâtit un foyer qui est devenu le foyer Odorico. C'est l'office municipal HLM qui bâtit ce foyer-là pour héberger les futurs élèves et les futurs participants à une belle aventure. Complémentaire de l'apprentissage technique situé proche du stade de la Route de l'Orient, le centre de formation peut accueillir 25 jeunes. Études, repas, détente et repos peuvent s'effectuer dans les meilleures conditions. L'objectif prioritaire de tout jeune au centre de formation, c'est la titularisation en équipe première. Mais de toute façon, le passage au sein du centre leur offrira les meilleurs atouts pour leur avenir professionnel, quel qu'il soit. Quelle était l'origine de ce centre ? Ça va vous surprendre, mais moi j'ai toujours été frappé à l'époque par la difficulté que les anciens professionnels du sport avait pour se reconvertir dans une activité classique. Et le premier objectif de ce centre de formation, c'était de donner des outils à de futurs anciens professionnels de se reconvertir dans les activités qu'ils avaient choisies. Et là aussi, vous voyez, on est en lien avec l'esprit du Stade Rennais, l'étude et le sport. Si on voulait faire venir des jeunes Bretons ou des jeunes talentueux au niveau national, il fallait avoir un projet, quelque chose de solide. Donc une structure d'accueil solide, la participation pour obtenir le bac, ce qui était une condition sine qua non à l'époque. Et je pense qu'après, pour séduire ceux qui avaient, comme Jocelyn Gourvenec, Michael Sylvestre, Tony Hurtubise, ces garçons-là, il fallait avoir une suite. Et il fallait travailler avec les universités, donc Rennes 1, Rennes 2, l'INSA même, ce qui nous a permis d'avoir un projet sérieux pour séduire les jeunes en disant aux Bretons, venez à Rennes, d'abord la distance, plutôt que d'aller à 900 km, puis ensuite votre fils, madame, monsieur, aura son bac, minimum, et s'il réussit pas, à 18 ans, il aura quand même pas perdu son temps, il aura un niveau scolaire intéressant et il pourra continuer sa vie tranquillement. Après, l'objectif, c'est qu'on le fasse réussir en Ligue 1 au Stade Rennais. On dit toujours comme ça, il faut se déplacer vers le but. Regardez, eux, tactiquement, ce qu'ils vont arriver à faire, c'est se déplacer pratiquement du but vers l'intérieur. Regardez celui-là, regardez où il va aller, par rapport à Michel Platini qui est là. Là, il va vers le... Et s'il dévie la tête, il y en a deux ou trois qui sont en mouvement derrière. Ça, c'est un truc tactique. Plus dynamique, les gars, plus dynamique. Plus dynamique, allez, plus dynamique. Fais un effort encore, allez. Plus dynamique, plus dynamique. Allez, attentif, voilà, tombe plus. Donc, en fait, il y a eu cette première phase de recrutement local, régional. Je pense qu'ensuite, avec l'arrivée de M. Pinault, il était hors de question qu'un Breton aille ailleurs qu'en Bretagne, et de préférence à Rennes. Donc c'est vrai que là, on avait des arguments de poids pour faire les efforts et faire venir les jeunes à Rennes. Je ne dresse pas la liste, vous la connaissez. C'est l'époque de Dabo Sylvestre, donc c'était une bonne promotion de débit. Hein. La période où on a eu 50% de
de l'effectif, c'est plus dans les années 2005, 2006, 2007, 2008, je pense jusqu'en 2011, là où on a été le meilleur centre de formation français pendant 6 ans de fil. De formation, c'est une école de foot, mais c'est aussi une école de la vie. On y apprend à vivre ensemble, on y apprend à respecter des règles. Il y a un cadre bien précis. Voilà, on nous apprend à grandir, à se forger un caractère, parce que c'est pas toujours simple de vivre comme ça, 7 jours sur 7, 24 sur 24, avec 30 autres jeunes garçons de sa génération qui viennent d'univers complètement différents. Donc voilà, on s'apprend à se développer, à prendre confiance en soi et à se former. Ouais. C'est vraiment l'ADN du club, c'est la former les jeunes. D'abord, je trouve que c'est la vision que l'on a avec mon père dans le foot français, dans le football français. On ne peut pas créer un grand club s'il n'y a pas un grand centre de formation dans le club. S'il n'y a pas un pari qui est fait sur la jeunesse, c'est tout simplement inhérent au football français. Et quant au club à Rennes, on a toujours eu un centre de formation d'une très très grande qualité. C'est un des actifs très importants du club. Ça c'est très très important, mais c'est pas une option, c'est obligatoire. C'est dans le projet du club depuis 98 et on continue et on va continuer à investir sur le centre de formation. Bravo ma grande. Eh bien, comme vous le savez, en dépit de ces résultats flatteurs et de ce sursaut de fin de saison, le Stade Rennais, à l'image de son terrain d'ailleurs, est actuellement, pour employer le jargon sportif, aux pâquerettes en ce qui concerne la première division. Mais si tout est perdu pour cette première division, il ne faut pas oublier qu'il y aura l'an prochain une saison à jouer en seconde division. Et d'ailleurs, tout n'est peut-être pas perdu pour cette saison, puisque le Stade Rennais, maintenant à un point de Lille, peut se permettre de ne pas finir dernier. Ce serait déjà quelque chose. Les émotions, on en a eu beaucoup, parce que quand j'arrive à la mairie en 77, il y a une catastrophe, c'est que le Stade Rennais chute en seconde division. Rennes, vendredi après-midi. Les footballeurs du Stade Rennais rentrent chez eux. Dans leur bagage, une défaite de plus. Ils sont derniers sur toute la ligne. Et cette lanterne rouge qu'ils transportent débouche sur une crise qui peut être fatale au club. Plus un seul sou dans les caisses et qui plus est, une dette de 200 millions de centimes. Qu'est-ce que tu penses de la situation du stade ? Elle est catastrophique. Il aurait fallu s'y prendre beaucoup plus vite pour essayer de le sauver. Pour moi, c'est la faute qu'ils ont vécue en-dessus de leurs moyens. En plus, les joueurs sont payés trop cher pour ce qu'ils faisaient sur le terrain. On a assez fait pour eux et maintenant c'est à eux de faire quelque chose. Pour tâcher de les sauver. Je sais pas, moi je ferai des fêtes, je ferai un grand gala à la salle Omnisport, je ferai des tombolas, je ferai des balles, je ferai quelque chose, mais ils dorment, ça dort, ça roupille là-dedans. Le Stade Rennais était tombé en seconde division. Et quand je dis tombé, c'était vraiment le mot. Et pourquoi était-il tombé en seconde division ? Tout simplement parce qu'il avait perdu son jeu. Il avait oublié l'esprit du Stade Rennais Université Club. Quand je dis « il », c'était des dirigeants. Le problème à ce moment-là, c'était l'argent. C'était une catastrophe. Et pendant ce temps, les joueurs ont pris leur destinée en main.
Ils examinent toutes les solutions. Se déclarer au chômage ne leur permettrait plus de travailler, c'est-à-dire de poursuivre le championnat. Dans l'immédiat, ils exigent surtout des garanties quant au paiement des deux derniers mois. Sinon, ils menacent de faire grève mardi soir contre Bastia. Et si jamais lundi matin, ils ne sont pas d'accord pour le garantie, on ne joue pas mardi contre Bastia. Ce sera pratiquement la fin du Stade Rennais, alors? Ben, ça sera pratiquement la fin. On était sous la loi 1901 et on devait déposer le bilan au tribunal de grande instance. Et si je fais ça, et il n'y a plus de Stade Rennais, on descendait en amateur, première division. En amateur. Autrement dit, on descendait de 7 ou 8 divisions. Parce que si on ne sauve pas le Stade Rennais en 1977, il disparaît. Hein. Et quand je parle du Stade Rennais, ce n'est pas simplement les équipes professionnelles, c'est aussi les équipes amateurs, c'est aussi toute une entreprise. Qu'il est loin, en tout cas, le printemps 71 où la Coupe de France entrait triomphalement à Rennes. Et si d'ici quelques jours rien n'évolue, le vieux stade de la route de l'Orient risque de devenir un stade mort. La dette était tellement énorme qu'un jour, M. Hervé convoque les principaux banquiers de la ville de Rennes avec moi et propose d'emprunter 200 millions. À l'époque, 200 millions. Toutes les banques ont refusé de faire un prêt au Stade Rennais garanti par la ville. Là, j'ai compris ce que c'était que la lutte des classes. Pour l'instant, le Stade Rennais existe toujours, mais son président est démissionnaire, mais ses joueurs n'ont pas été payés depuis 2 mois. Une situation provisoire qui ne peut plus durer. Alors, le temps presse. Seule lueur à l'horizon, la constitution d'un comité de sauvegarde qui fait appel à la sensibilité et au portefeuille des Bretons. Un soir, un journaliste qui s'appelle Pierre Romer est venu me voir à mon bureau et m'a dit « Écoutez, monsieur Auger, je pense que j'ai une petite idée. Il faudrait qu'on fasse un club des 1000. On demanderait à ces 1000 personnes-là de nous prêter de l'argent. » Et alors, suite à la discussion, je lui ai dit « Écoutez, donc, on a fait un petit compte. » Je lui ai dit « Non, moi, le mieux, c'est un club des 2000. » On va faire 2000 personnes. Bien, le comité de sauvegarde du Stade Rennais qui s'est constitué ces jours-ci envisage de demander à tous les Bretons et aux amis du Stade Rennais de participer à une action en envoyant au minimum la somme de 100 francs s'ils désirent que le football vive en Bretagne, à Rennes. L'association a quand même eu pas mal d'argent. Mais qui était prêté seulement. On s'engageait à rembourser. Mais les gens n'ont pas voulu. Attention, 2000 personnes, ne croyez pas qu'ils donnaient 1000 francs chacun. Hein. mais enfin, ça fait rien, ça nous a aidés, ça nous a sauvés. Et à l'époque, le Stade Rennais était abandonné. Et je peux dire que nous avons sauvé le Stade Rennais. Sur le plan financier, sur le plan des supporters. Hein. Et par la suite, on a pu, une fois qu'il a été sauvé, installer le Stade Rennais. Vous savez, la plus grande joie que j'ai eue étant président, c'est quand le trésorier payeur général m'a convoqué et m'a dit « Écoutez, voilà, la dette, qui était énorme à l'époque, eh bien, on va vous la laisser sur plusieurs années. » Et elle était couverte par la municipalité. Donc, c'est la plus grande joie parce que le stade était sauvé.
eu des années, effectivement. Il faut s'en souvenir. Hein. On n'était pas nombreux ici au stade quand Rennes était 14e. Il fallait jouer contre La Roche-sur-Yon, qui n'avait pas d'ambiance, qui n'avait pas de football, qui n'avait pas de stars, qui n'avait pas d'avenir. Qu'est-ce qu'est rouge et noir qui monte et qui descend sont des années moyennes, mais sont des années qui, avec le recul, ont quand même un certain charme, parce que tous les matchs étaient importants. Le plus souvent, quand Rennes était en tête de la D2, tous les matchs étaient importants. Et quand Rennes était en queue de Ligue 1, ce qui arrivait souvent, tous les matchs étaient importants aussi. On tremblait à chaque match, on regardait sans arrêt dans le rétroviseur. Alors, c'était des périodes qui, avec le recul, comme je dis, ont un petit peu de charme, mais qui étaient quand même douloureuses pour les supporters. À l'époque, quand j'ai commencé à commenter les matchs pour Radio France Armorique, France Bleu Armorique désormais, je partais. Alors des déplacements invraisemblables. France Bleu Armorique a été une des premières radios à acheter un Renault Espace. C'était génial, le Renault Espace. Personne n'avait jamais vu ce type de bagnole. J'étais content de le prendre et je roulais dans toute la France pour aller en D2, à Libourne-Saint-Seurin, à Guignon, sur des petites routes. Ça, c'est des bons souvenirs de suivre le Stade Rennais. Et puis le but de Jean-Christophe Canot, dernière minute du dernier match de la saison. Celui-là, j'ai eu la chance de le commenter en direct. À l'époque, je travaillais sur Fréquence Île. Mais ce but de Jean-Christophe Canot, qui était un gamin adorable en plus, à la dernière seconde, oui, ça reste... C'est des petits bonheurs, très étonnants. Quand le coup de sifflet final est sifflé, les joueurs vont commencer un tour d'honneur, mais c'est pas fini sur un match à Angers. Je crois qu'il y avait un Angers-Valenciennes qui était aussi très important. S'il y avait eu un but dans ce match-là, ça changeait tout. Et puis tout d'un coup, Kérusoré s'aperçoit que c'est pas tout à fait fini et il nous voit dans la cabine commentateur et on leur fait signe de se calmer. À un moment, j'entends coup de sifflet final à Angers, je leur fais signe que c'est bon et là, ça part dans tous les sens. On voulait absolument cette victoire pour monter en première division. On savait que de toute façon ça se jouait ce soir. Et en plus, Valenciennes qui a gagné 1-0, je crois, à Angers. Et nous, eh bien justement, il fallait absolument gagner. Et même à la dernière minute, eh bien, on a réussi à le faire. Et c'est extraordinaire pour notre groupe. Jean-Christophe Canot, vous êtes l'homme qui fait monter le Stade en première division. La joie est immense, sensationnelle. Non, je ne suis pas l'homme, c'est toute l'équipe, c'est tout le groupe qui fait monter le Stade Rennais. C'est extraordinaire. Bon, c'est moi qui ai le bonheur de marquer le but, mais ce qui compte, c'est qu'on s'en est un. C'est tout le groupe. Alors Yannick, c'est vous qui marquez le but. Vous y avez cru jusqu'à la dernière seconde. Vous avez fermé les yeux quand vous avez marqué ce but? Non, j'ai pas fermé les yeux, non, mais j'étais persuadé que Valenciennes perdait 1-0. J'ai demandé à Bébert qu'est-ce qui se passe, parce que je voyais qu'il s'excitait. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Valenciennes gagne 1-0. Je dis, c'est pas possible. Je suis monté, j'ai vu le ballon monter. Je dis, c'est pas possible, on va marquer. Je vois le ballon retomber. Bon, heureusement, les défenseurs restent statiques. Je monte plus au queue, je mets la tête, et puis c'est extraordinaire. Je voyais plus rien après. 5e minute de jeu samedi soir et le coup franc tiré par Gourvenec arrive dans les pieds de Wiltor qui remet pour Bruno Roux. Le ballon est mal renvoyé par la défense de Hist. Nouvelle combinaison entre Roux et Wiltor. Centre de ce dernier impeccable sur la tête de Laurent Huard et c'est l'unique but de la partie, un but ô combien important qui va permettre au Stade Rennais de retrouver l'élite de la première division grâce à ce superbe coup de tête du jeune milieu rennais. On est très heureux de ce qui nous arrive. On l'attendait, on était un petit peu sous pression. Quand je dis un petit peu, c'est une façon de parler. On était sous pression. On avait peur, bien sûr, d'échouer si près du but. Et je crois que les joueurs, finalement, méritaient quand même cette récompense suprême. Et je crois qu'il faut maintenant aller tout à fait jusqu'au bout, essayer de décrocher le titre. J'aime beaucoup Michel Leminaire, qui est un sage, qui est un monsieur calme, souriant. C'est un homme adorable. Il n'y a pas toujours eu que des partisans. Il a eu aussi ses détracteurs. Mais il a apaisé un Stade Rennais qui était quelquefois un peu trop éruptif.
On est sur une période de transition avec Michel Lemillinaire. On a fini cette période angoissante de montée et de descente, même si on n'est quand même pas très assuré. Mais voilà, on est sur une période de latence qui va amener après à l'arrivée de la famille Pinault et à cette sécurisation qu'on connaît aujourd'hui. L'ambition n'est pas l'ambition d'une année, c'est de faire du Stade Rennais sur le long terme et si on le peut à court et moyen terme, un très grand club. Nous en donnons les moyens, c'est de faire du Stade Rennais sur la durée un club très solide, très professionnel, très compétitif et un des meilleurs clubs français. Quand mon père prend la décision en 98 de racheter le Stade Rennais, c'est pas pour se faire plaisir, donc c'est aussi pour lui un moyen de redonner à la Bretagne ce qu'elle nous a apporté. C'est vraiment, il le pense. Il a vu, il en a fait partie à un moment, le plaisir que peut apporter le sport et le foot en particulier quand on vit dans une région comme la Bretagne. De pouvoir être à l'origine de ça aussi à un moment, c'est une dimension supplémentaire qui est toujours présente chez lui. Toujours, toujours, toujours. C'est lui qui a donné une vraie stabilité au stade, puisqu'on n'est jamais redescendu depuis qu'il est arrivé, qui lui a donné des infrastructures. On a aujourd'hui enfin, faut voir comment était le stade quand M. Pinault est arrivé. Il n'y avait pas de centre d'entraînement, etc. Tout le socle du Stade Rennais, c'est lui qui l'a permis, c'est lui qui l'a voulu. L'équipe, c'est lui qui l'a créée. Rappelez-vous, la première année, quand il fait venir Paul Le Guen, on avait déjà une formidable équipe. On finit cinquième. Moi, j'arrive au club en 2001. Monsieur Pinault a racheté le club, ça fait 2-3 ans. La Piviardard vient d'être livrée en 2000. Donc on sent quand même que le club est en train de se structurer et a vraiment l'ambition et l'idée de devenir un grand club du championnat de France. Ses liens avec la ville de Rennes sont très étroits parce que c'est là qu'il a commencé. Et je pense qu'il a toujours estimé qu'il avait un apport à donner à la ville de Rennes et puis au public aussi, à la population, quoi. Nous savions, je connaissais sa personnalité, on avait discuté, nous savions qu'il n'était pas là de passage, qu'il n'était pas là pour faire un coup. Et la preuve en est donnée puisque il continue toujours par sa présence et son soutien. Monsieur Pinault, ça fait plus de 20 ans qu'il a repris le club, qu'ils font des efforts absolument incroyables pour monter le Stade Rennais. Ben, il fallait du temps, mais ça y est, on y est. L'épopée européenne, elle est incroyable parce que on regoutait modestement à quelque chose qu'on avait déjà effleuré. Il y avait déjà eu au moins une petite quarantaine de matchs de Coupe d'Europe à Rennes, on l'oublie. Hein. Il y a eu des matchs intertoto avec la Juve, Zidane était venu dans un stade, je m'en souviens, qui était complètement en construction, etc. La Juventus de Turin, hier soir, route de l'Orient pour le match du siècle, avec en tête de l'équipe turinoise un certain Zinedine Zidane. 11 427 spectateurs privilégiés assistaient à cet événement footballistique avec la grosse équipe mondiale donc de la Juve. Effectivement, on a eu la chance de recevoir la Juventus à Rennes. Puis alors, 99, c'est l'année suivant la Coupe du Monde, donc on reçoit Zidane, champion du monde. Enfin, c'était un grand moment. Out in this group will be Stade Rennes, France, and they will play the first leg at home against Osasuna from Spain. Le Rennes-Osasuna, c'était le retour du Stade Rennais en Coupe d'Europe. Voilà, ça avait fait pas mal de bruit parce que le Stade Rennais avait fini quatrième, il me semble, la saison précédente. Il y avait une super équipe à cette époque-là. Il y avait une grosse campagne de com qui avait été faite autour de ça, le Stade Rennais de retour en Coupe d'Europe.
Et puis, le stade était plein, il y avait une ambiance de dingue, une équipe de fous avec des joueurs incroyables. Je dois avoir 18 ans, je pense, c'est ça, 17-18 ans. Je suis dans la tribune, et oui, à la sortie d'un match comme ça, t'aspires à, et tu rêves de pouvoir jouer un jour, toi, des matchs de Coupe d'Europe dans des ambiances comme ça. Je sens de monter au bureau pour la reprise de Frey, pour donner l'avantage à Rennes, c'est un souvenir. Le bruit qu'avaient fait les supporters pour accompagner ce but-là, ouais, c'est un vrai souvenir. Ouais. Après, il y a eu des grands moments. Je pense à l'Atlético, par exemple, à Rennes, où l'ambiance avait été extraordinaire. Fan d'Alma, toujours, dans la course de Victor Hugo Montagno, qui va frapper. Et puis là, bon, donc on y regoutait, l'Europa League. Il y a eu un moment extraordinaire qui est Séville. Alors, Séville à Rennes, bien sûr, mais Séville là-bas. Jamais j'oublierai la ville de Séville avec les hordes de supporters rouges et noirs. Mais je sais pas si c'était 7 ou 8 000 qui mettaient une ambiance super gentille, super bon enfant dans les rues de Séville. Et puis après, il y a le match. On gagne là-bas. Un truc de fou. Et moi, je me rappellerai toujours quand les joueurs et nous aussi, dirigeants derrière, on a été saluer le COP, qui était perché à une hauteur inimaginable, là, tout en haut. C'était magique, quoi. C'était magique. Et derrière, on tire Arsenal dans un Roazhon Park que j'avais jamais vu comme ça. Mais jamais, jamais, jamais. Les tribunes tremblaient. Et quand je dis les tribunes tremblaient, c'est pas une image. Je crois que c'est la seule fois où j'ai senti le sol vibrait sous mes pieds, à ce moment-là. On ressent... Il y a un bruit assourdissant et vraiment des vibrations. Je ressens des vibrations sous les pieds. J'avais jamais connu ça au Roazhon. Quelque chose d'un peu irrationnel aussi. On a 11 contre 10, on joue Arsenal. Il y a un stade qui est vraiment en feu. Et les mecs font une deuxième mi-temps incroyable. On gagne 3-1. Mais a posteriori, quand on réfléchit, on se dit qu'on a peut-être raté la qualif à ce moment-là. Et que sur la seconde période, si on avait mis un but supplémentaire et on a eu les occasions pour mettre un but supplémentaire, on tombe aussi sur un grand gardien ce jour-là. Peut-être que si on met le but supplémentaire, on a un autre match retour et un destin différent ensuite. Mais on le sait qu'après. Ça reste malgré tout un moment, un fantastique moment dans la mémoire collective de ceux qui étaient là et de ceux qui l'ont vécu. Et puis après, donc, fort de ce match-là, ben, on va à Arsenal, on va à Londres. Les mêmes supporters, moi, je revois la horde de supporters venant au stade, là, extraordinaire. Et puis on fait un match
compliqué avec un arbitre qui nous vole à moitié. Enfin, il y a deux buts qui sont plus que litigieux. Et puis ce soir-là, ça n'a pas voulu rigoler. Personne ne nous en a voulu. Tout le monde était content. Et ça a été une formidable aventure, quoi. Quand le club enfin arrive à procurer des victoires importantes et qui marquent l'histoire d'un club comme Rennes, que ce soit la finale de la Coupe de France ou soit le parcours en Coupe d'Europe, la réponse est immédiate. La réponse est immédiate. Et ça donne l'ampleur de l'importance de ce club dans son environnement régional. Il suffit d'une seule étincelle pour que la ferveur grandissent et grandissent très très vite. Mais évidemment que c'est de l'émotion. Mais le foot, ça n'est que de l'émotion. Quand tu vas au stade et que tu vis un match, des moments incroyables, comme des fois des déceptions terribles, combien de personnes vous pouvez discuter qui vous disent qu'en fonction du match du samedi soir, ils passent un bon début de semaine ou un mauvais début de semaine. C'est la vérité. Quand le Stade Rennais gagne, quand il gagne la Coupe de France, les gens sont fiers. Et le lendemain d'un match gagné, l'atmosphère dans la ville n'est pas la même. Et le fait qu'il y ait ce type de rencontre-là nous aide à avancer, à donner du peps. Quand tu bats Nantes dans les arrêts de jeu, il n'y a pas si longtemps, alors que tu voyais que l'affaire était plutôt mal engagée, etc., mais ça te donne une patate incroyable. Et puis, quand tu as une grosse déception parce que la soirée s'est pas passée comme... on est malade comme des chiens, bien sûr. Bonsoir et bienvenue dans un Stade de France entièrement rouge et noir, un Stade de France 100% breton pour cette 91e finale de la Coupe de France. Un vrai derby entre le Stade Rennais et l'En Avant Guingamp. Ce soir, Xavier, c'est un fest-noz géant ici à Saint-Denis. En 2009, on arrive enfin en finale. On sent qu'il y a une attente de fou autour du Stade Rennais, qu'en plus on joue le voisin guingampais qui est en Ligue 2, qui est pas en grande forme. Pour tout le monde, c'est gagné d'avance. Allez, un coup franc là-bas, excentré pour le Stade Rennais, pour le pied gauche de Bruno Chéroux. Pied gauche. On est face au top du Stade Rennais, le coup franc de Chéroux. L'ouverture du score pour le Stade Rennais. Après 69 minutes de jeu, le top est en feu et le Stade Rennais mène à 0. Carlos Bocanegra ouvre le score. Une belle tête sur un coup franc de Bruno Chéroux. Une explosion de joie incroyable parce que il reste 20 minutes de jeu et puis on a fait le plus dur, on a ouvert le score, maintenant il n'y a plus qu'à fermer la baraque et puis ça va tenir. Mais non. C'est sûr qu'on a eu beaucoup de désillusions, mais moi, c'est ce que j'essaye de rappeler tout le temps, c'est que quand vous arrivez en finale, vous avez quand même passé 5-6 tours avant. On a quand même vécu des grands moments, justement lors des demi-finales. C'est des grands moments de communion, de liesse avec nos supporters et de joie. Alors c'est sûr qu'on a raté la dernière marche, mais on est quand même arrivé en haut. Et donc avant, quand on était dans des périodes plus difficiles, eh bien les exploits, on avait ce qu'on pouvait avoir. Et moi, je me rappelle de moments formidables. Je vais en citer trois. En 2006, on va gagner à Nantes après 41 ans de disette. 41 ans de disette, on n'avait jamais gagné à Nantes. En 2012, un truc absolument incroyable. On va gagner au Parc à 9 contre 11. Costil et Jean Demacoun avaient été expulsés. Costil, dès la première mi-temps. Et je crois que c'est Alessandrini, et puis je sais plus que on gagne 2-1. Et alors moi je m'en rappelle parce que c'était Frédéric de Saint-Cernin, le président à l'époque, et il y avait François-Henri Salma Hayek qui était là, et on était tous descendus, on avait fait un tour d'honneur au Parc des Princes, alors que c'était juste un match qu'on avait gagné. Mais un truc héroïque à 9 contre 11. Donc ça c'est un souvenir incroyable. Et puis
Plus récemment, avant que ça reparte vraiment bien, je me rappellerai quand même aussi, en 2013, c'est l'année d'après, on bat Montpellier en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Et la pelouse est envahie. Mais moi, j'avais trouvé ça extraordinaire, tous les gens qui venaient. Alors malheureusement, le cran d'après contre Saint-Étienne, ça s'est pas passé comme on le souhaitait. Mais on voyait bien depuis ces années-là que ça se remettait en route, parce que c'était quand même pas rien d'aller faire autant de finales en si peu de temps, etc. Et puis pour finir, le déclic, il a eu lieu, et on a réussi à remettre vraiment la machine en route, quoi. Mais c'est tellement long. Quand on se dit on est au Stade de France, on est contre le Grand Paris au complet, Neymar, Mbappé, Cavani, enfin, ils sont tous là. On se dit pourvu qu'on fasse bonne figure, donc on y va en se disant il y a guère que Julien et les joueurs qui devaient y croire, mais je dois dire humblement que j'étais assez pessimiste. Encore une fois, c'était un PSG archi complet avec toutes ses stars, avec tous ses joueurs. Un PSG qui avait gagné les 4-5 dernières Coupes de France, personne n'arrivait à les détrôner, donc le défi il était immense. Mais à ce moment-là, à ce jour-là, le défi, les joueurs étaient capables de le relever. Donc on a beau essayer de préparer au mieux les choses, on a beau essayer d'impacter les joueurs de la manière la plus forte possible. Après, c'est le terrain qui parle. À 2-0, bon, je suis pas très bien, mais je me dis, il reste encore 1h10 de jeu. Et dans un match de foot, pour en avoir vécu un certain nombre, et que tu sois avec les jeunes ou avec les pros, c'est toujours la même chose, quand il y a 2-0 dans un match, le troisième but, il est fondamental. S'il y a 3, c'est quasiment terminé. Par contre, s'il y a 2-1, là, le rapport psychologique, il peut s'inverser. Et il y a eu un fait de jeu important, c'est la réaction de Rami Ben Sebaini avec Mbappé le long de la ligne de touche, là-bas à l'opposé des bancs, je me rappelle parfaitement. Il y a une réaction de quelqu'un qui est en rébellion et qui ne lâche pas, et c'est un message puissant donné à toute l'équipe et à l'adversaire. C'est OK, vous menez 2-0, mais c'est pas terminé, nous on est là encore, et on y va, et on y va, et on y va. Et il va falloir être très fort pour nous passer dessus, parce que nous, on n'est pas là pour abandonner, on n'est pas là pour lâcher. Ce message-là de Rami, à ce moment-là, il est puissant. Je crois qu'il permet aussi de voir que les joueurs sont encore dedans, à donner de la force. Et puis derrière, il y a ce qui se passe. J'étais convaincu que si on basculait à 2-1, ça pouvait complètement s'inverser. Le destin du match a fait que ce 2-1 est arrivé juste avant la mi-temps. Et a fortiori, quand tu marques juste avant la mi-temps et que tu as la capacité à remobiliser tes joueurs à ce moment-là. Là, tu as un vrai impact sur les joueurs à la mi-temps. Tu peux faire passer de nouveau un message. Et ça a été l'objectif de la mi-temps. Vous avez fait le plus dur. Vous ne voyez pas dans leurs yeux que c'est en train de changer, que c'est en train de tourner? Vous ne voyez pas qu'ils commencent à douter, qui commence à devenir fragile, qui commence à s'énerver? Vous voyez pas ça? Vous voyez pas que ça tourne? Vous voyez pas qu'il commence à avoir peur? Vous voyez pas que vous les faites douter depuis un quart d'heure? Et nous, la seule chose qu'on trouve à faire, c'est s'énerver. Non, restez calme. Restez calme. On avait un plan de jeu. Il y a un espace qu'on veut absolument contrôler, c'est l'interligne. Il faut continuer à le faire. 5 dernières minutes après le but, on a commencé à ouvrir un petit peu. Neymar a pris nous deux fois, et là on se retrouve en difficulté. Contrôler cet espace-là, avec le temps, ils vont se fatiguer. Il y a des joueurs qui sont en manque de rythme, il y a des joueurs qui sont en manque de confiance. Ils ont une pression pas possible. 45 minutes, c'est très long les gars, très très long. Le plus dur, c'était de revenir à 2-1. C'était ça le plus dur, et vous l'avez fait. Contrôlez-moi l'interligne. Les ballons de ressortie, ils cherchent ballon piqué au deuxième poteau. Restez attentifs, Rami Amari, c'est cette zone-là qu'ils ont ciblée.
Les ballons de récup sortis de la zone de densité. Allez, à l'opposé. Deuxième temps de jeu, à l'opposé, ça s'ouvre. De plus en plus, ça va s'ouvrir. Par contre, quand on va attaquer, restez toujours équilibrés. Il y en a deux ou trois qui vont plus revenir. Parce que physiquement, ils vont plus pouvoir. Ils vont jouer la carotte. Il peut se passer quelque chose de magnifique. Je vous le dis en deuxième mi-temps. Il peut se passer quelque chose d'extraordinaire. Ça va être fantastique ce qui va arriver. Parce qu'on va marquer un deuxième but. On est sûr de ça. On va marquer un deuxième but. Et puis, la deuxième mi-temps, on voit, comme on dit souvent vulgairement, les mouches ont changé d'âne. Et là, le PSG qui était parti pour tout écrabouiller, etc., ça commence à merdouiller, Mbappé, machin, etc. Et puis arrive cette fameuse tête de Mécher, là. Deuxième mi-temps, le but de Mécher, c'est vrai quand on revient à match nul et que l'équipe résiste, la tension monte, c'est exceptionnel. D'ailleurs, j'ai pas pu rester à ma place, je suis descendu sur le bord du terrain avec le staff technique au moment des pénalties parce que je peux pas rester sur mon siège. Celui qui gagne, choisis de tirer en premier ou en second, d'accord ? Faut que je vous cite. Partez sur le jaune, le bleu, restez sur le jaune. Et on arrive au tir au but, donc là je me souviens très très bien et je m'en rappellerai toute ma vie. On descend sur le terrain et tous ensemble, le staff, les remplaçants, on se tient et les tirs au but démarrent. Et c'est évidemment interminable, puisque en plus, nos Rennais les tirent d'une manière incroyablement formidable, c'est-à-dire que vous pouvez les reprendre tous un par un, ils sont tous bien tirés, nickel, etc. Et malheureusement, les Parisiens aussi. Fait des superbes pénalties, donc c'était préparé. Donc il n'y a pas de. Et je pense que les Parisiens ne pensaient pas aller jusque-là. Donc je ne suis pas certain qu'ils étaient aussi bien préparés que nos joueurs à la séance des tirs au but. Et arrive le tour de, comment il s'appelle, Nkoukou. Et je ne comprends d'ailleurs absolument pas comment le coach qui l'avait fait rentrer 2 minutes avant la fin le fait tirer, etc. Le mec prend son élan, et puis après, bah, tu connais l'histoire. Donc le ballon s'envole, Koubek pique son sprint à n'en plus finir, on va tous à l'opposé vers le COP rennais, et là ça n'en finit plus quoi, ça n'en finit plus. Je suis en train de revivre le moment à ce moment-là. Et moi j'ai une pensée surtout pour mon père, parce que mon père était resté en tribune entouré de ses petits-enfants, et quand on a gagné, la première chose que j'ai fait, c'est je lui ai demandé de descendre, je lui ai pas absolument que tu descendes, c'était indispensable, il pouvait pas ne pas être avec nous. On était quand même venu deux fois au Stade de France et reparti
la tête basse. Et là, je pense à lui, parce qu'il ne s'y attendait pas du tout. Au fait que ça se passe comme ça, devant cette équipe-là, entouré de ses petits-enfants, tous fans du Stade Rennais, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup de ses émotions, mais je peux vous dire qu'il a été extrêmement marqué. Et moi, pour moi, ça a été quelque chose de pouvoir lui amener ça. Ça rajoute encore à la dimension émotionnelle et dramatique de cette finale. L'équipe Un stade, pour moi, c'est à la fois un théâtre, une église, un temple et une arène romaine. C'est un spectacle comme sur un théâtre, il se passe quelque chose où le public est acteur de ce spectacle-là. C'est une arène parce qu'on a des guerriers qui se battent, on exorcise quelques pulsions qu'on peut avoir, qu'on réprime toute la semaine et qu'on exprime dans les tribunes d'un stade de foot. Et puis c'est une église aussi parce qu'on communie dans un stade, on est ensemble pour vivre quelque chose de similaire, peu importe les classes sociales, peu importe les âges, peu importe les sexes. Je crois que dans une société, il n'y a aucun autre spectacle qui réussit à réunir depuis aussi longtemps un même public toutes les deux semaines. C'est un club qui intéresse aussi bien le chef d'entreprise, l'ouvrier, l'agriculteur, celui qui est à la recherche d'un emploi, le gamin, le plus vieux. Et tous, ils sont bienveillants. À Rennes, on a un truc qui est assez extraordinaire, c'est que finalement, on joue ici depuis 1906, entre la Vilaine et la route de l'Orient. Le stade n'a jamais bougé. Donc, vous imaginez les générations et les générations qui sont venues ici. Mon grand-père allait au match, mon père allait au match. Quand j'ai eu l'âge d'aller au match, on m'a emmené. C'est un peu comme une initiation. C'est une transmission. Le mot transmission, il est important aussi. Aussi important que le mot institution. Pourquoi on vient ici? C'est aussi pour le rituel d'avant-match. Je ne m'imagine pas vraiment venir à la dernière minute, arriver, prendre ma place. Venir au stade, c'est un moment où on vient avec les enfants ou avec les copains. Et puis on profite de cet avant-match. On boit une bière, on mange une galette de saucisse, on regarde tout ce qui se passe autour. Sinon, on regarderait la télé, le foot. Donc, le foot, c'est tout ça. C'est cette route de l'Orient qui s'anime comme une fourmilière à chaque fois. C'est cette route de l'Orient qui est noyée dans un fumet de galettes saucisses. Pour moi, c'est tout ça, le stade. On ne peut pas imaginer aujourd'hui Rennes sans le Stade Rennais. Et j'ai du mal à trouver d'équivalence en fait dans la vie rennaise. Quand on pense à Rennes aujourd'hui, on pense à quoi? On pense tout de suite au Stade Rennais à l'extérieur. On va peut-être penser à la galette saucisse, on va penser à la roue de la soif, on va penser au transmusical possiblement. Mais en haut de la liste, il arrive toujours le Stade Rennais. Une ville, c'est un ensemble. Hein. Il y a des logements, il y a des commerces, il y a des industries, il y a des lieux de culture, des lieux de spectacle. Et il faut que le Stade Rennais soit effectivement, sur le plan de ses tribunes, de sa capacité d'accueil, à l'image d'une ville moderne, d'une ville aussi qui pense à la Bretagne, parce que le Stade Rennais n'est pas enfermé dans les limites juridiques et psychologiques de Rennes. On ne peut plus aujourd'hui réfléchir Rennes, je dirais le pays gallo au sens large, et il fut un temps même la Bretagne sans le Stade Rennais. Pour la Bretagne, le Stade Rennais, c'est son club historique. Il y aura quoi qu'il arrive toujours une rivalité, c'est même sur ça que s'est construit le foot, c'est sur ces rivalités. Avant, pour le Stade Rennais, c'était Saint-Servant dans les années 20-30. Après, on s'est construit aussi en opposition par rapport à Nantes. Mais il y aura toujours une opposition, et je pense que Rennes, club de la capitale, générera forcément toujours une opposition, parce qu'on se compare toujours, donc je pense que Lorient, Brest, Guingamp auront toujours à cœur de battre le club de la capitale. Mais je pense qu'il peut y avoir une affection. Et je pense que si Rennes réussit à tenir son statut dans les années à venir,
il peut y avoir une forme d'affection quand Rennes va jouer en Coupe d'Europe, quand un club. Je pense que le reste de la Bretagne peut encore se faire bloc derrière ce club-là, au-delà des disparités. Club de foot, ça peut être perçu parfois comme très populaire dans le mauvais sens du terme. Aujourd'hui, j'ai la sensation qu'on est passé à un autre stade. On n'a plus honte de venir au stade, on n'a plus honte de mettre une écharpe. Populaire, souvent, c'est un mot qui fait peur ou qui peut sembler un peu sale pour certains parce qu'on voit dans le foot tous les revers d'une passion. La passion, elle est déraisonnable. Et donc, le mot populaire, il laisse à entendre que ça en ressemble déraisonnable et populaire dans le sens du terme aussi, d'un mélange des classes sociales. Effectivement, quand on vient dans un stade, quand on exprime sa passion, on n'est peut-être pas forcément au moment le plus noble de notre existence. On n'est pas dans des phases de réflexion philosophique très, très, très poussées, mais il se passe quelque chose de bestial dans un stade et ça fait partie de nous. Voilà, on vit tous quelque chose de très, très intense. Et pour moi, c'est ça qui est noble derrière le mot populaire, c'est qu'on vit quelque chose tous ensemble, une même émotion ensemble. Ça a longtemps été un public de spectateurs plus que de supporters, de gens un peu exigeants, qui ne se lâchaient pas. Et puis, dans les 10 dernières années, on l'a vu se transformer parce qu'il y a une nouvelle génération de spectateurs et de supporters qui est arrivée. Parce que je pense que des gens comme le RCK ont fait beaucoup pour donner de l'ambiance. Depuis quelques années, il y a une cohésion qui s'est recréée autour du public rennais. Alors, effectivement, le contexte de gagner sportivement facilite les choses. Mais même avant qu'on gagne la Coupe de France, il s'était passé quelque chose parce qu'ils avaient démontré que le tifo, c'est un moment attendu maintenant. Je suis surpris. Mes neveux, quand on vient au stade, le premier truc auquel ils pensent, c'est surtout bien se mettre pour pouvoir voir le tifo. C'est devenu une attente. Et c'est... Ils ont tellement évolué dans leur créativité. Et quand on pense à la masse de travail pour ces quelques moments d'exposition, ça en devient irrationnel. Mais c'est ça aussi qui est beau, c'est la démarche qui est belle. Je trouve que c'est extraordinaire que les supporters aient cet engagement-là, parce que c'est beaucoup d'efforts, c'est de l'argent aussi, c'est du temps, c'est de la passion, c'est du talent en plus. Et la presse anglaise en a parlé. Ils ont été très impressionnés par ce que les supporters faisaient. Je ne suis pas certain qu'ils savent que les supporters le font de façon totalement autonome. C'est leur initiative, c'est leurs ressources, c'est leurs efforts, leurs talents. Et je trouve ça exceptionnel. Et encore une fois, c'est des éléments qui montrent que ce club est à part. Principale fierté que le Stade Rennais pour vous, ce serait quoi ? Écoutez, c'est d'arriver à construire quelque chose qui soit cohérent avec cette région, avec les supporters. Il faut rester humble, ça fait partie des valeurs de ce club, mais il faut avoir de l'ambition aussi. Et c'est quelque chose, c'est vraiment l'équilibre entre ces deux éléments-là. J'ai habité très longtemps à Rennes et très souvent, quand on habite en province, on s'auto-censure en termes d'ambition et de rêve. Non. Tout le monde a le droit de rêver, tout le monde doit rêver. Et le Stade Rennais, il est là pour faire rêver les gens. Et donc, si on peut arriver à faire du bien
autour de nous grâce au rêve que le Stade Rennais peut procurer. Je pense que c'est ça le plus beau cadeau que ce club peut me faire et que le club peut faire à ses supporters. Ce serait quoi votre rêve concrètement? Ah, ça serait ouais, une Coupe d'Europe quand même. Et une autre Coupe de France. J'avoue que de gagner au Stade de France, le Stade de France en rouge et noir, ça a de la gueule. Ça, il faut le refaire. Et une Coupe d'Europe. Voilà, on a le temps, mais je pense qu'on peut avoir une ambition. On peut avoir une ambition. Encore une fois, il faut prendre le temps de construire les choses, mais... Vivement les 130 ans du club. On a le temps, mais enfin quand même... Merci beaucoup, monsieur Pinot. Je vous en prie, merci. Moi, ce que je souhaite vraiment, pardonnerez ma répétition, c'est que il offre du beau jeu, que les joueurs soient heureux de jouer et qu'ils rendent les gens qui viennent là heureux, quelle que soit la condition de ces personnes. On grandit tout en laissant une place à notre culture, qui est très importante, à notre histoire. On grandit en gardant toutes les valeurs qu'ont fait le Stade Rennais pendant 120 ans. Et il ne faut pas que ça déroge de ça. Je pense que le Stade Rennais est ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il s'appuie sur ce qui a été fait avant. C'est ton public, c'est ton histoire, c'est tes anciens joueurs, c'est la galerie des légendes dans laquelle on est aujourd'hui. Et voilà, c'est ça qui fait la force et c'est ça qui construit un projet solide et puissant. Si je devais dire quelque chose aux nouvelles générations, c'est quand même que le football, c'est un cycle, qu'il y a des périodes fastes et des périodes qui le sont moins, et tous les clubs passent par là. Je souhaite que ça arrive le plus tard possible, mais il faut bien se dire qu'à un moment ou un autre, ça arrivera au Stade Rennais, et que ce jour-là, il ne faudra pas lâcher ce club, il ne faudra pas lâcher cette institution, il ne faudra pas lâcher ses couleurs. Il faudra ce que ces nouvelles générations montrent à domicile, à l'extérieur, dans l'ambiance et dans cette communauté soudée, il faudra que ça le reste aussi quand ça ira moins bien. Ouais, c'est peut-être ça, ouais, le message. Je souhaite un très très bon anniversaire à mon cher Stade Rennais. 120 ans, c'est pas rien. Et je souhaite par-dessus tout que toutes les générations à venir, tous les supporters, les joueurs, les dirigeants, etc., continuent cette formidable histoire et qu'il y ait toujours des gens pour se rendre compte du bonheur que c'est, du bonheur que ça procure, et puis pour en prendre soin. Parce que le Stade Rennais, j'ai envie de dire, du ramasseur de balles au buteur, du supporter au soigneur, etc., on en est tous co-responsables. On en est tous co-responsables. Il a failli mourir, il a failli ne plus exister, ça aurait été un vide colossal. Prenons conscience de ça. Prenons soin du Stade Rennais et longue vie à lui.